Avertissement, ce programme peut comporter des scènes et langages pouvant ne pas convenir à un jeune public. Si jamais demain, de toute façon demain madame est censée revenir pour essayer d'identifier la personne, donc si c'est un rapport, quelconque rapport, et qu'elle reste sur sa version, vous serez invité à venir vous expliquer. Commandez-moi maintenant de Lancaster. De toute façon, regardez les DVD, hein, typiquement. Ah mais les DVD ou non, nous on n'est pas enquêteurs madame, on n'a pas le droit d'enquêter sur ça. Moi je suis pas enquêteur. Comment là, chut, comme ça on s'occupe pas de l'affaire, ouais, comme ça c'est l'autre avocat de mort là, de je sais pas quoi là, il va s'occuper de ça. Qui? Mais je sais plus là, y'a un gars la dernière fois, moi on m'a dit là, y'avait un monsieur là, il ça l'a pété un peu trop là, avec sa coiffure là. Un autre avocat là, pour la voiture blanche là, H24 là. Mm-hmm. Ouais, moi c'est ce qu'on m'a dit moi. Vous trouvez pas cadet, vous savez de qui vous parlez? Oui, t'as un avocat, oui. Mais comme ça c'est lui qui s'occupe de l'affaire, comme ça nous... Est-ce que vous savez comment je m'appelle, monsieur? Oui, commandant Montuali, oui. Mm-hmm. Oui. Et ben cet avocat oui, s'appelle Ezio Montuali. Y a pas de... Non. Ah, mais c'est l'écriture, c'est pas pareil, je pensais. Ah, d'accord. D'accord. On fait quoi? Je vous tabasse tout de suite, ou... Non, mais dites pas, c'est votre famille, du coup, non. C'est mon frère. Ouais, mais comme ça, c'est lui qui s'occupe de l'affaire. Mais oui, c'est mon frère qui s'occupe de l'affaire, mais dans tous les cas, ça n'a rien à voir. Là, c'est une comparution, c'est des simples explications. Tu poses beaucoup trop de questions pour un cadet. T'es sûr que t'es à l'école de police, toi? Oui, c'est juste que je m'intéresse beaucoup au travail, en fait. Du coup, je pose beaucoup de questions. Mais du coup, n'est pas un enquêteur, si vous savez. Oui, mais il est apte à pouvoir demander des informations à les enquêteurs. Mmh. Mais les enquêteurs, c'est nous. Donc c'est nous qui devons enquêter sur l'affaire. Ok. C'est bon, j'ai compris là. Mmh. Je vous prie d'excuser mon cadet, mademoiselle Lancaster. Ah oh, mais y'a aucun souci. Sarah, tu me tiens. Je vous rappelle que vous parlez de ma sœur, on va se calmer. Mais comment ça va? Mais non, je parle pas de votre sœur là. Mais comment ça? Mais... Je vais toilette, commandant, je reviens. Mmh. D'accord. J'ai le zizi là, il pend là, je vais lui faire pipi là. Bon, madame Lancaster, je vous laisse repartir vos activités. La putain, ça fait du bien là. Oh putain! C'est bon là, y'a tout qu'à couler là. J'ai remis les pattes. Attendez là. La taille. Ouais, j'ai. Ouais.
C'est surtout la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui-là? Je parle de moi. Les gens qui m'a donné son numéro, disons. Pourquoi ça klaxonne comme ça? Bon, ben ça c'est du boulot pour la police. Un cadavre dans la BM là? Reste dans le véhicule parce que je sais pas ce qui se passe, il y a un agent de police, ça va finir en... Ça va mal finir, il y a une espèce de corrompu sur la route. Je crois que surtout qu'il a besoin de Doliprane, tu vois ce que je veux dire? Allez, viens. Avec... Ah merde, c'est vrai qu'il faut que je fasse la pièce d'identité, putain j'ai oublié ce détail.
Je suis pas fait ce métier juste pour toucher des trucs comme ça, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous voyez, en plus, je demanderai, j'ai demandé à ma collègue qui est une femme qui doit faire les trucs, de faire une promotion. Ne vous inquiétez pas. Attendez. Monsieur, est-ce que. Attendez, je vais la sortir en rôle. Écoutez monsieur, hop, on va faire simple, voilà, je vous passe les menottes. Tu le mets dans le véhicule, tu lui dis ses droits, s'il te plaît. Merci. Attendez madame. Monsieur, voilà. Cadet, lui les hélices, ses droits, s'il vous plaît. Bon, je vais régler le problème. Vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous pourrez dire ou commettre pourrait être retenu contre vous. Et bon, je vous cache pas qu'il n'y a rien de grave retenu contre vous. C'est juste que vous n'êtes pas en tenue pratique et vous n'avez rien à faire dans un lieu aussi fréquenté où il y a eu un accident, monsieur. Voilà. Mais vous regardez comme ils font, mais normalement vous avez une tenue réglementaire même si vous n'êtes pas officiel. D'accord ? On appelle une tenue stérilisée. Voilà. Madame, vous m'entendez ? Non. Ce monsieur est mort. Mais. Cette voiture. Mais. Sarah, ça va ? Monsieur. Monsieur l'agent. Oui. Monsieur l'agent, est-ce que vous pouvez m'aider à déplacer le véhicule jusqu'à l'ordi ? Attendez, parce qu'il y a 300 000 personnes qui me parlent dans l'oreille, ça commence à être un peu embêtant. Et oui, je peux bouger le véhicule. On dirait que le véhicule est fait du magie noire. Attendez, je règle le problème. Sarah, c'est moi, d'accord ? Écoute, Sarah, j'ai vu, t'as mal et tout. Tu vas sentir ma main tranquillement aller dans ta poche. Je vais prendre les clés de ton véhicule. Voilà. Ok, donc faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Elle s'est pris une balle. Elle est corrompue. Une balle, ah ouais, d'accord. Allez, go. Faut la charger dans l'ambulance. Dispatch 2, mais tout au volant. Pour que... Et non. Oh putain, fais chier, j'ai pas le temps. Non mais c'est pas grave, de toute façon on va vous laisser repartir, le but n'est pas de vous garder avec nous. La seule chose, c'est que quand les personnes font leur travail, il y a une distance de sécurité à accepter. C'est pas en tenue pour rester sur les lieux. Michael, les clés s'il te plaît, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous êtes libre de repartir, mais la prochaine fois que ça risque, ça puisse arriver, vous aurez de graves problèmes, avec de lourdes conséquences. D'accord, monsieur ? Attendez. Au revoir, monsieur.
Accrochez-vous, madame, vous entendez. Oui, ça va trop vite, ok. Putain, mais c'est quoi ça? Et ta façon dans les vierges. Oh! Tu veux que je t'aide à porter le brancard? Ouais. Ah, voilà, c'est bien. Voilà. Je te laisse faire le rapport. C'est plat quoi, la dame? Ça va, c'est pas bon? Il y a 3 personnes qui sont pris une balle. Écoute. Dispatch. Là, on a pris une balle et là, on a une balle. Sarah, tu vas bien? Vous laissez avec elle, monsieur? Non, mais par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si elle s'en sort pas, vous allez perdre votre boulot. Alors faites tout votre possible. Pas plus la j'essaye pas de vous mettre la pression ou quoi que ce soit, mais faites tout votre possible et très sincèrement, monsieur, d'accord? Ok, regardez son badge qui était placé sur sa poitrine, c'est ça? C'est comme ça. T'essaies de taper un officier supérieur. Tu veux réellement que je te suspende de tes fonctions? Oui, oui. Elle est où, ma soeur? Elle est où, ma soeur? Votre soeur, c'est qui votre soeur? Ah oui, c'est qui dans la voiture? Oui, c'est ça. Alors, comment te dire, on l'a amené à notre hôpital puisque on l'a amené à notre hôpital plus près d'ici. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est paru, je crois. Ne t'inquiète pas, elle n'a pas de grave blessure et s'en sortira elle aussi. Juste, est-ce que je peux vous poser une question, madame? C'est encore une fois. Allez-y. Le policier là qui vous a. C'est bien votre mari, votre copain, c'est ça?
parce que il me faut la pression, parce qu'on dit que si elle meurt, si vous mourrez, ça sera moi qui prendra. Bon, j'ai un petit peu les boules, j'ai pas envie de mourir du tout. C'est donc ça le numéro qui m'a filé dans la poche. Non, c'est pas mon mari réellement, mais bon. Oh putain de merde. Non. Okay, attends, je vais plus y mettre ça puisque là, ça tourne mal. Eh mais vaut mieux rire que pleurer, non? Ouais, mais bon. Je vais mourir de rire après le coup. Ouais, ça serait un peu con, hein? Je vais vous laisser vous reposer. Et à moi, le médecin, vous diront quoi vous pouvez partir. Oula, oups. Bonjour madame. Hey. Vous sentez bien? Juste un petit peu mal à l'épaule gauche, mais bon, ça va. Ouais. Vous savez ce qui s'est passé? Disons que je me rappelle juste de recirculer au moment qu'il y avait des bouchons. Et je sais pas pourquoi, ça c'est bien, j'ai reçu une balle et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Ouais, il y avait une balle qui vous a frôlé l'omoplate. Ouais. J'en sais pas plus. Attendez. Une question, vous fumez ou pas vous? Chez mon chef qui va venir vous voir. D'accord. Et vous fumez vous par hasard ou pas? Non, pas maintenant, pourquoi? Bah, disons que pour une femme vous avez une voix un petit peu grave, on va dire. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Ne, je suis pas là pour vous vexer, hein. Ça, c'est un chef. Ok. Bon, ouais, vous voulez me voir? Juste un petit peu mal à l'épaule gauche, mais bon, ça va. Ça passe. Oui, merci, je sais.
Meriwether, for all your private security needs. How can I help? I will direct one of our pilots to your current location.